Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nuria TV, je suis Guillaume et nous voici réunis une nouvelle fois pour une quatrième émission témoignage extraordinaire spécial intervenant. Je vous rappelle que cette semaine nous fêtons les 5 ans de Nuria TV et pour fêter cela nous avons décidé de diffuser chaque soir de la semaine une nouvelle émission avec des témoignages des invités que nous avons reçus ces 5 dernières années sur notre antenne et aussi des témoignages de notre équipe des modos que je salue bien bas et que j'embrasse très fort. Les amis, j'espère que les 3 premières émissions que vous avez pu visionner vous ont plu. Si vous n'avez pas eu le temps de les voir, rassurez-vous, elles sont toujours disponibles en replay sur le site www.nurea.tv. Ce soir, nous allons découvrir de nouveaux témoignages. Dans la vidéo qui va suivre, Gundal nous narre une histoire de barbecue hors norme qui s'est déroulée à Arcachon il y a de cela une dizaine d'années. Merci Gundal pour ton témoignage. Bonjour les petits loups, bonjour les Nuréens. Merci de m'avoir invité, Nora. Donc nous y voilà, le temps passe vite. Alors je suis très 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 content d'être invité parmi vous pour pouvoir vous conter une histoire. Donc voilà la mienne, elle est très rapide. J'ai dû vous la raconter, mais franchement je m'en rappelle plus. Donc je m'en excuse. Donc voilà, j'étais il y a moins de 10 ans, donc encore à Arcachon, dans ma maison. Et c'était le vendredi, et le samedi je devais faire donc un barbecue. Et vendredi, toute la nuit du vendredi, il n'y a plus. Donc impossible de faire le barbecue. Tout était trempé. Donc je sors quand même vers 11h, je vais voir le barbecue. Effectivement, tout était trempé, donc j'ai enlevé les braises mouillées, je les ai mis en terre, et il restait une braise. Et je me suis dit, je vais pas faire grand chose avec cela. J'ai remis des braises secs à l'intérieur du barbecue, et j'ai cherché pour l'allumer, j'avais mis du papier, bon, vous savez comment qu'on fait un barbecue. Et en fait, pas de briquet, ni d'allumette, rien, nada. Donc je vais vers mon ex-compagne, je lui dis trouve-moi un briquet, des allumettes, j'ai essayé de faire repartir le barbecue, mais le barbecue était vraiment mouillé de partout, hein, sur les côtés, tout était trempé, il n'y avait plus, comme c'est pas possible, toute la nuit. Et donc elle cherche, impossible de mettre la main sur un briquet ou une boîte d'allumettes. Et on n'était pas au gaz, on était à l'électricité, donc pas possible d'allumer le gaz pour allumer la crotte complète. Ensuite, c'est tout simple, c'est assez extraordinaire et encore à l'heure actuelle, je suis encore à me poser énormément de questions sur ce jour-là. C'est-à-dire que voilà, j'ai pris la braise qui était mouillée de la veille, je la prends dans mes mains et je vais voir mon ex-compagne, je vais dire, regarde, je peux pas allumer le barbecue. Je lui dis, c'est trempé de partout, regarde, même les braises d'hier, elles sont trempées. Et elle me dit, je trouve pas de briquet, je suis désolé et tout. Et je vous assure, le temps qu'elle me parle et le temps qu'on s'explique pour trouver le briquet, comment allumer le barbecue, parce qu'on avait des gens qui venaient, la braise que j'avais dans les mains, qui était mouillée donc de la veille, s'est mise à rougeoyer. Elle a été rouge, brûlante, donc je suis brûlé la main. Je lâche. Alors, pour le coup, il y avait témoin, il y avait ma fille qui était là en plus. Et donc dans la braise, il y avait un clou, car c'était une braise d'une palette, car je brûlais de la palette pour faire le barbecue. Et du coup, j'ai tout simplement pris par le clou, j'ai récupéré la braise qui était rouge. C'est incroyable. Elle était vraiment mouillée avant. Je pouvais pas la brûler. J'avais pas de briquet sur moi. Je l'avais dans les mains. Et là, elle s'est mise à rougir et à devenir vraiment bouillante, comme si qu'elle sortait du feu. C'est extraordinaire, encore à l'heure actuelle, je ne l'explique pas. Hein. Une personne m'a donné une explication, mais bon, à voir. En tout cas, j'ai pris la braise, et avec cette braise, je l'ai mis donc sous le papier, j'ai soufflé dessus, ça a commencé à prendre, le barbecue a pris, j'ai tout de suite fait ce que j'avais à faire pour préparer le repas. Et donc, donc la petite histoire, elle est que, c'est assez extraordinaire de pouvoir, avec je ne sais pas quelle perception on arrive quand tout est mis vraiment à un équilibre devant soi, quand nous sommes dans l'instant présent, là où il faut être, et que notre pensée est exactement dans les vibrations du temps de ce qu'on recherche à faire, eh bien il y a quelque chose qui se passe, et c'est-à-dire que ce que l'on pense se crée. C'est le secret de la pensée, c'est le mot secret, c'est... Et là, à ce moment-là, il y a combustion. Il y a eu combustion, en tout cas, sans briquet, sans allumette,
Je voulais vraiment allumer ce barbecue, car il y avait des gens qui venaient de très loin, ils venaient de Paris, donc qui passaient quelques jours dans la région d'Arcachon, donc ils venaient nous voir. Et je voulais leur, moi j'adore faire la cuisine, donc je voulais vraiment leur faire la cuisine, et j'étais vraiment très embêté. Et tout ça, mes pensées, mon, voilà, j'étais embêté, bah, ça fait que la braise a pris. J'ai pas d'autres explications, en tout cas jusqu'à maintenant j'en ai aucune, sachant que bah, avant vendredi, en tout cas, on n'avait pas fait de barbecue de la semaine. Donc c'est juste pour expliquer que il y a des choses qui se passent et on est toujours en train de se demander comment ça se fait. Et ben je pense que, enfin je pense, je suis certain qu'à un moment donné, notre pensée est en équilibre avec l'instant que nous vivons. Et là, il se crée des choses. Il se crée vraiment des choses extraordinaires. Donc arrêtez jamais de penser, pensez positif, pensez amour, paix. Et vraiment de penser que quelque chose de miraculeux peut arriver quand vraiment on est perdu et qu'on n'arrive plus du tout à penser à quoi que ce soit d'autre que de réussir ce que nous sommes en train de faire. Et ça marche. Voilà. C'était ma petite histoire. Bon, j'ai fait moins de 10 minutes, j'espère. J'ai pas le chrono. En tout cas, j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas le temps défiler. Je vous embrasse. Soyez tous heureux. Le temps va changer. Les temps nouveaux arrivent et nous allons être libérés de beaucoup de choses et nous allons nous revoir. Nous allons nous revoir en tous les cas dans une bonne ambiance, dans la joie et la bonne humeur. Je vous embrasse et puis découvrez les autres intervenants avec leurs histoires extraordinaires, ce que moi personnellement je vais faire. Bisous à tous, Nora, Guillaume, Namasté. À présent, Michel Guénier revient pour nous sur ses débuts en tant que conférencier et sur les synchronicités ou coïncidences qui l'ont accompagné tout au long de son parcours. Il nous invite à prendre le temps de voir les signes qui jalonnent notre chemin. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je dois souhaiter un excellent anniversaire à Nuria TV, faire des gros bisous à Nora et à Guillaume, et puis remercier aussi tout leur entourage, toutes les personnes qui font que ces émissions sont toujours de qualité, en espérant que ça dure le plus longtemps possible. Donc merci à vous tous. Quand Nora m'a appelé, elle m'a dit « Est-ce que tu aurais une petite anecdote dans le cadre de Nuria à nous raconter ?» Et j'ai réfléchi, je vais prendre deux anecdotes en une, un petit peu différentes de ce que j'explique d'habitude, et je vous dirai après pourquoi j'ai choisi ces deux anecdotes. Il y a quelques années, j'amenais ma fille chez une naturopathe. Dans le cabinet de cette naturopathe, il y avait des livres que je trouvais très intéressants, et donc j'ai commencé à discuter avec elle. Et puis je lui ai expliqué aussi l'activité que moi je faisais quand je recevais des personnes. Elle est un peu surprise et elle m'explique que, en fait, ce que je suis en train de lui dire, c'est que ça correspond tout à fait à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. À l'époque, je ne connaissais pas ce terme. Et effectivement, je me penche sur le domaine et j'ai constaté, bien sûr, que c'était exactement les mêmes mots que j'employais que je retrouvais sur les livres de la loi de l'attraction. J'ai expliqué aussi à cette naturopathe que mon rêve, c'était de faire des conférences. Et elle m'a dit, je vais te mettre en contact, si ça t'intéresse, avec une personne qui tient une librairie sur Saint-Étienne, et ça peut l'intéresser. Je suis allé voir donc cette personne sur Saint-Étienne, et effectivement, je lui ai parlé de ce que je désirais faire au niveau de cette conférence sur la pensée positive et la loi de l'attraction, et il a été séduit par l'idée, et il m'a donné son accord. Et il m'a dit aussi, je vais te donner l'adresse d'un ami à moi qui tient aussi un magasin, qui a des salles et qui organise aussi des conférences. Donc je suis allé voir cette autre personne. On a sympathisé également tout de suite. Et il était d'accord aussi pour que je fasse cette conférence dans son magasin. Il m'a expliqué que si le soir de la conférence, j'avais une quinzaine de personnes, ça serait déjà bien. Le soir de la conférence, donc il m'a montré la salle. Il y avait un chiffre qui marquera, que je me rappellerai toute ma vie. Il y avait 36 chaises. Quand les personnes sont rentrées, je voyais beaucoup, beaucoup de personnes qui rentraient. J'ai même eu un petit moment de doute. J'ai pensé, est-ce que ces personnes, elles viennent bien pour voir ma conférence? C'est vrai que c'était un petit peu surprenant. Quand toutes les personnes ont été assises, on était 36. Pas une personne de plus, pas une personne de moins.
C'est pour ça que ce chiffre, en fait, eh bien, je le garde en mémoire. Ce qui était surprenant, c'est qu'à la fin de la conférence, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir et qui m'ont demandé depuis quand je faisais des conférences. Des personnes qui m'ont dit, mais on voit que vous avez l'habitude de faire des conférences, je ne vous connaissais pas, ou c'est que vous en avez déjà fait. J'avais beaucoup de mal à leur expliquer qu'en fait, c'était la première que je faisais. Heureusement, ça n'a pas été la dernière. Parallèlement, quand j'ai monté mon auto-entreprise, je suis allé voir un organisme qui s'occupe justement d'aider les personnes à monter leur auto-entreprise. Et j'ai eu une entrevue deux fois de suite avec une jeune fille vraiment super sympa. Elle m'a aidé donc à monter mon autre entreprise. 3 mois après, du temps de midi, un jour, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour en ville. Et je tombe nez à nez avec cette jeune fille. Vous vous rappelez de moi? Ben oui, merci, bien sûr, je vous rappelle de vous, puisque c'est vous qui m'avez aidé à mon auto-entreprise. Et elle me dit, j'ai pensé à vous il n'y a pas très très longtemps, parce que j'ai une amie qui fait des conférences sur le net, et ça peut peut-être vous intéresser. Et elle me donne les coordonnées de notre amie Nora. J'ai contacté Nora, étant dans la même région, c'était encore plus facile. On s'est vu. Pour gage de ma bonne foi, je lui ai proposé de lui faire un portrait chinois, ce que je fais dans les entretiens déjà depuis quelques temps. Elle a accepté. Je pense que ça lui a plu, puisqu'elle en parle souvent, de ce portrait chinois. Et pareil, on a accroché tout de suite, et elle a accepté en fait que je fasse ma première conférence sur le web, qui était celle que beaucoup connaissent, la pensée positive et la loi de l'attraction. J'étais dans un nuage, sur un nuage. Ça serait super bien passé, on a passé d'excellents moments, c'était vraiment une soirée que je n'oublierai jamais. C'est ce que je dis toujours, c'est vraiment ma conférence, celle que j'aime le plus, certainement. Et j'en ai toujours remercié d'ailleurs Nora et Guillaume de la rediffuser, vraiment, c'est vraiment super, sympa. Pourquoi j'ai pris ces deux anecdotes? Parce que je rencontre souvent des personnes qui me disent « Ah ben moi, il m'arrive jamais rien, moi je ne vois rien, moi j'ai jamais de signe, on met jamais rien sur ma route. » Pourtant, si vous demandez à ces personnes « Est-ce que tu peux me donner des anecdotes de ta vie, des choses qui t'est arrivées ?» Eh bien, je suis sûr que tout le monde a des choses à signaler. Des choses, vous avez tous vécu des choses. Combien ont été sauvés d'un danger in extremis? Combien de fois on a mis des gens sur votre route? Des événements sur votre route? C'est obligé que tout le monde ait vécu ça. Alors, bien sûr, parfois, on ne le voit pas. Je prends toujours cet exemple. Imaginez qu'on prenne deux personnes et on leur fait traverser le même chemin pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et puis on arrête la première personne et on lui dit « Qu'est-ce que tu as vu ou entendu sur son chemin ?» Peut-être que la personne va dire « Ah ben moi, rien, j'étais complètement pris dans mes pensées, j'ai trop de boulot, j'ai des problèmes chez moi, moi j'ai rien eu le temps de voir ni d'entendre. » Et puis peut-être que la deuxième personne va dire « Ah ben moi, j'ai entendu les oiseaux, j'ai entendu la rivière qui coulait à côté, j'ai vu des papillons, j'ai entendu des enfants qui jouaient. » Pourtant, ces personnes sont passées au même endroit, voire même au même moment, sur le même chemin, et le ressenti est complètement différent. Eh bien, je pense que c'est comme ça dans la vie. C'est-à-dire que on voit des choses, on met des choses sur notre route, des événements, des personnes, mais on ne le voit pas toujours. Et en fonction justement de si on est plus ou moins bien, si on est plus ou moins ouvert, eh bien, on va prendre ou pas ce qu'on met sur notre chemin. Bien sûr, on ne prend pas n'importe quoi. Il faut toujours prendre ce qui vibre en nous. Moi, j'ai pour habitude depuis des années de toujours regarder ce qu'on met sur ma route. Il y a des choses que je prends parce qu'elles vibrent vraiment, et puis il y a des choses que je ne prends pas parce que je ne les sens pas. Mais je pense que tout le monde vit des choses. Personne n'est laissé de côté, personne n'est abandonné. Peu importe les croyances que vous avez, que vous appelez ça des coïncidences, que vous appelez ça votre guide, que vous appelez ça votre destin, peu importe. Je pense que quand on est fait pour quelque chose, quand on a vraiment quelque chose au fond de son cœur, j'irais même plus loin, au fond de son âme, eh bien, il y a des choses qui s'ouvrent. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer. Ces petites anecdotes, elles paraissent pas, mais peut-être vous dites, il n'y a rien de fantastique là-dedans, mais pour moi, c'est important parce que ce sont ces deux anecdotes qui ont fait la vie que j'ai aujourd'hui.
Ce sont ces anecdotes qui ont fait que depuis que je fais cette activité, j'ai rencontré plein de personnes, des personnes merveilleuses. Certaines sont devenues des amis très proches. Et je remercie qui? Mon guide, le hasard, la providence, Dieu, peu importe. Mais je remercie tous les jours justement d'avoir vécu ces expériences et je sais que je vais continuer d'en vivre d'autres. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et croyez en vous. Dans le prochain témoignage, Déborah Benisti revient pour nous sur des expériences de contact médiumnique avec des défunts, mais aussi avec son guide qui s'est notamment manifesté à elle par l'intermédiaire d'une photo. Alors, la chose la plus, je dirais, extraordinaire qui me soit arrivée, eh bien, c'est de me rendre compte que je pouvais contacter des personnes décédées. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. J'y ai cherché beaucoup de preuves. J'ai essayé de trouver énormément de preuves. Par exemple, un jour, une dame me consulte et son papa lui dit, voilà, j'ai sauvé quelqu'un d'un accident de voiture. Et puis, à ce moment-là, la jeune fille me dit non, mais je me fais toujours enregistrer. Donc, en réécoutant l'enregistrement, la jeune fille le fait écouter à sa maman qui lui dit, effectivement, papa avait sauvé quelqu'un d'un accident de voiture. Lorsqu'il était jeune, tu n'étais pas au courant. Donc à ce moment-là, ça, plus ça, plus ça, plus ça, évidemment, j'ai compris qu'effectivement, je contactais vraiment des personnes qui étaient parties ailleurs. J'ai accumulé des preuves. La chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée, c'est d'avoir aussi connu mon guide qui m'accompagne chaque jour, qui me fait des prévisions, qui m'encourage dans mes mauvais moments, dans mes meilleurs moments, qui est là. Et la chose la plus folle, c'est qu'aujourd'hui, il fait partie à part entière de mon noyau familial, on va dire. C'est quelqu'un qui fait partie de ma vie. Comme quelqu'un de ma famille, ce qui est tout à fait normal. Et puis un jour, lors de l'anniversaire de mon mari, nous faisions des photos comme tout le monde, hein. Nous étions en été, c'était l'été, il y avait des baies vitrées, tout le monde faisait des photos pour l'anniversaire de mon mari. Le lendemain, je contacte mon guide pour avoir un petit peu des nouvelles, car souvent nous nous contactons. Et puis à ce moment-là, mon guide me dit, Déborah, regarde sur les photos, lors de l'anniversaire, j'y étais, tu me verras. Un peu sceptique tout de même. Qu'est-ce que je fais? Effectivement, avec mon mari, nous regardons toutes les photos. Et effectivement, devant la porte d'entrée se tenait un homme. En plus, il était habillé avec un chapeau. Il avait un pull alors que c'était l'été. Il était en jean alors que tout le monde était en short et on ne voyait pas son visage. Donc, effectivement, mon guide Roro apparemment a apparu sur une des photos alors que nous n'y étions pas du tout préparés. Nous n'en avions aucune idée. Donc pour ça, moi, ça fait partie de bah déjà de certaines preuves et ça fait partie aussi des choses un petit peu folles qui me sont arrivées par rapport à ce don de médiumnité. Évidemment, des folles, des choses un petit peu dingues, il y en a des tas et des tas et des tas, mais c'est vrai que c'est une petite anecdote assez peu commune, surtout que je n'y étais pas préparée, nous n'avions rien fait de la sorte pour trouver quoi que ce soit sur une photo. C'est lui le matin qui me dit, Déborah, regarde sur les photos, tu m'y verras. Et effectivement, il apparaît un homme sans visage sur les photos. Ce qui est aussi pour moi extraordinaire, eh bien, c'est cette faculté, c'est le fait de pouvoir apaiser certaines personnes, le fait de pouvoir apporter aussi des preuves à travers de ma médiumnité, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Quand une maman qui a perdu son enfant a des preuves de la survivance de son enfant par des objets, par des multitudes de renseignements, parce que effectivement, lorsqu'on donne un ou deux renseignements, lorsqu'on donne un prénom, eh bien, ça peut être le coup du hasard, mais lorsqu'il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60 choses qui ressortent dans une consultation où l'enfant parle de l'anniversaire juste avant de partir, du fait qu'il a eu tel ou tel cadeau, du fait qu'il portait tel ou tel parfum. Ce qui est extraordinaire, c'est que les défunts, lors d'une consultation, eh bien, ils peuvent vous dire ce que vous avez mangé la veille, la marque du dentifrice que vous avez acheté il y a 3 jours, la dispute que vous avez eue avec votre cousine il y a une journée. Eh bien, ça, pour moi, eh bien, voilà, ce sont des preuves et ces preuves-là qu'il y a une survivance, c'est extraordinaire. Certaines personnes, grâce au fait de l'existence d'une
vie après la mort grâce au fait qu'ils aient accumulé des preuves de la survivance de leurs proches. Eh bien, il y a certaines personnes qui avancent dans leur deuil, il y a certaines personnes qui retrouvent le sourire, il y a certaines personnes qui arrêtent parfois même les antidépresseurs. Eh bien, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Grâce à une faculté, grâce à quelque chose qui m'est arrivé sur le tard, car souvent, j'entends souvent les médiums sont de naissance. Eh bien, pour ma part, ce n'était pas le cas. Pour ma part, c'est arrivé, je dirais pas par hasard, car je l'ai cherché un petit peu, mais c'est arrivé sur le tard. J'ai accumulé des preuves, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu analyser. Et oui, il y a vraiment un monde après. Et il y a des personnes qui ont la chance de pouvoir communiquer avec leurs proches, la chance de pouvoir les faire revenir peut-être 10 minutes, 1 heure, 1 demi-heure parmi eux, par les mêmes expressions, les mêmes blagues qu'ils avaient, les mêmes façons de parler, de leur dire pardon, de leur dire merci, de leur dire au revoir. Parfois, on cherche des choses compliquées, alors qu'il y a des choses tellement simples. La médiumnité en elle-même, le fait de pouvoir apporter des preuves, le fait de pouvoir communiquer avec un autre monde, bien entendu, avec des preuves, toujours des preuves, car sans preuves, ça reste quelque chose de, pour moi, pas assez extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que oui, il y a des preuves. Oui, les proches qui consultent et qui arrivent à rentrer en contact avec leurs défunts, eh bien, ils ont des preuves, ils avancent. Et ça, eh bien, pour moi, il n'y a rien de plus extraordinaire. En fait, c'est extraordinaire en soi que d'avoir cette faculté. Dans la vidéo qui va suivre, Jacques Birolini nous livre quelques anecdotes qui mêlent médiumnité, vie antérieure et synchronicité. Merci beaucoup Jacques pour ce partage. Bonjour, alors je suis Jacques Birolini, astrologue. J'ai eu le plaisir d'intervenir sur Nuréa l'année dernière, au mois de septembre. Et pour les 5 ans de Nuréa, Guillaume et Nora m'ont demandé de partager des anecdotes bizarres. Bon, déjà, être astrologue, hein, vous en conviendrez, c'est bizarre. Et donc, mon quotidien est rempli d'anecdotes. Mais j'ai envie de partager avec vous une anecdote qui a été quand même quelque chose d'assez troublant et qui n'a rien à voir avec l'astrologie et qui est en lien avec une vie antérieure. J'ai croisé, échangé avec un médium qui s'est branché sur moi, sur une vie, en me disant « Je vous vois femme, médecin, sur un champ de bataille, dans l'une des deux guerres, hein, première ou seconde, je ne sais pas, et vous avez été tiré à bout portant, dans le dos. » Donc il me demandait si j'avais mal au dos, voilà, des choses comme ça. Ok, bon, bah merci pour l'info, je ne sais pas quoi en faire, mais c'est sympa. 6 mois plus tard, à peu près, si ce n'est plus, je vais dans un magasin dans un autre département que le mien, je suis en Eure-et-Loir, je vais dans les Yvelines, à 3 quarts d'heure de chez moi, et dans un magasin où il y a un rayon ésotérique. Donc j'étais en train de regarder les bouquins et je vois deux personnes, deux femmes, ensemble, visiblement la mère et la fille, enfin c'était le cas, qui est en train de regarder les tarots et les oracles. Donc là, bon, bah, je le fais jamais. Vraiment, je le fais jamais parce que sinon, je passerai mon temps à le faire. Mais je vais vers elle et pour voilà, vous intéresser au tarot, moi aussi, je vous conseille celui-là. Voilà, je faisais celui qui s'y connaissait un petit peu. Et on échange, il y a un bon feeling, on partage nos passions. Donc elle, voilà, je leur dis que je suis astrologue, ça les intéresse. Et je donne ma carte de visite à la plus jeune. Et elle m'apprend en fait que, et c'est là, c'est troublant déjà, qu'en fait, elle habitait pas dans ce département, qu'elle habitait à 3 km de chez moi, le village voisin. Donc tous les deux, on se retrouvait à 3 quarts d'heure de chez nous et on s'est croisés dans un magasin alors qu'on habitait dans un magasin à 3 quarts d'heure de chez nous, alors qu'on habitait, on était voisins. Donc déjà, c'était assez troublant. Bon, le temps passe. Quelques 6 mois plus tard, je pense, je reçois un coup de fil et j'ai une dame qui me dit « Voilà, ça va vous paraître bizarre, mais j'aimerais vous rencontrer parce que j'ai consulté une médium qui m'a dit qu'on se connaissait, qu'on a eu plusieurs vies ensemble et que j'avais été un homme, enfin elle parle d'elle, qu'elle était un homme dans sa dernière vie, qu'elle avait été tirée à bout portant sur un champ de bataille et qu'elle était avec une autre personne, une femme, et que tous les deux, ces deux personnes avaient été tuées. Donc je vous raconte pas le choc. Donc, visiblement, ça faisait écho avec ce que le médium avait raconté. Donc, on s'est vu, hein, alors faut pas rêver, hein, ça n'a pas été genre le rencontre des flammes jumelles, quoi. On n'est pas à Hollywood. Le feeling a été bon tout de suite. On avait l'impression, effectivement,
de se connaître, mais pas, voilà, il n'y avait pas de choses magiques. Donc ça m'a vraiment interpellé. Et ça fait partie des choses qui m'ont, du coup, maintenant je fais de l'astrologie karmique, qui m'ont porté à m'intéresser au karmique. Autre anecdote, un peu plus mignonnette, question de signes. Je suis très attentif aux signes, hein. Forcément, il y en a tous les jours et ça va pas étonner grand monde, hein, ceux qui sont branchés. Mais je vais à la cathédrale de Chartres, pour acheter un objet à caractère religieux. Et je vais dans la boutique. Vous savez, à l'entrée, ceux qui connaissent Chartres, il y a à droite, il y a une boutique. Et je vois l'objet que je convoitais, mais je me tâte par rapport au prix. Puis il n'était pas, c'était pas l'objet que j'avais idéal, donc que je convoitais, dont j'avais envie. Donc je dis tiens, je vais aller voir les boutiques autour de la cathédrale et je vais voir s'il n'y a pas mieux. Et je m'éloigne du magasin. Je sors pas par l'entrée principale, mais par un portail latéral. Et tout en marchant, je savais que j'allais pas revenir. Parce que je suis du genre, vous savez, quand je prends un raccourci, et même si je me trompe, bah, je continue. Moi, je fais pas demi-tour. je fonce. Et je savais que si je sortais de la cathédrale, j'aurais la flemme d'y revenir. Mais j'y vais quand même, je sors. Et quand j'ouvre la porte latérale, chose qui m'est jamais arrivée avant et qui m'est jamais arrivée depuis, j'y vais souvent, 200 scouts assis sur les marches à chanter. Ils commençaient à chanter. Je pouvais pas passer. Et là, j'ai fait OK, j'ai compris, merci. J'ai fait demi-tour et je suis allé acheter l'objet. Voilà. C'est des petits signes comme ça, mais là, c'était grossier, quoi. Ils ont quand même mobilisé là-haut 200 scouts pour que je comprenne qu'il fallait que j'aille acheter l'objet en question. J'ai trouvé ça sympa. Donc, autre anecdote par rapport à l'astrologie, celle-ci, elle m'a troublé. Je faisais le thème d'une consultante et je me mets à parler du père. Je vois une problématique avec le père. Je ne savais rien, elle ne me disait rien, hein, comme en consultation, les gens ne me disent rien. Et tout d'un coup, je sens du froid dans mes mains. Je me sens froid suffisamment pour que je m'interrompe dans mon argumentaire, alors que j'étais bien concentré. Et là, je fais, oh, il fait froid tout d'un coup. Et à ce moment-là, le chien de la dame, j'étais chez elle, qui était à l'autre bout de la pièce, se met à gémir et se vient au pied de sa maîtresse, tourne autour, gémit et se met à trembler. Sa maîtresse essaie de le calmer. Et là, je comprends qu'on n'est pas seul. Et je comprends que le père devait être décédé. Mais je ne le savais pas, on ne me l'a pas dit. Je dis rien. Et à la fin, j'ose quand même dire à la fin de la consultation, voilà, votre père, est-ce que votre père est décédé? Elle me dit, oui, je pense qu'il était avec nous. Elle me fait, oui, je crois. Et je pense qu'il était avec nous. Donc, j'étais assez frustré de ne pas pouvoir entendre les messages, parce que s'il était là, c'est qu'il avait envie de partager des choses avec sa fille. J'étais frustré de ne pas pouvoir l'entendre, de ne pas avoir ses capacités médiumniques. En tout cas, ça m'a vraiment aussi là troublé, hein, sur le moment d'ailleurs, ça m'a beaucoup troublé. Donc voilà, je voulais vous partager ces trois petites anecdotes, j'en ai plein d'autres. Hein. Je tiens aussi donc à féliciter Nora et Guillaume pour les 5 ans de Nuréa, de les remercier pour ces partages, pour nous permettre à tous de nous éveiller, pour nous permettre à tous de nous questionner, pour leur ouverture d'esprit, de par les sujets qu'ils traitent, de par la profondeur, le sérieux du traitement des sujets. Je suis Nuréa depuis très longtemps. Et je continue de le faire, et je continuerai de le faire, parce que c'est à chaque fois, ça éveille. En tout cas, moi, ça m'éveille et ça me fait avancer. Donc, merci à eux et aux modérateurs, à toute l'équipe qui est derrière, pour Nuréa. Et merci, en tout cas, de m'avoir invité sur Nuréa et de m'avoir permis de participer à cette aventure. Au plaisir, au revoir. Marie, de la team Modo Nuréa TV, nous confie quelques histoires bien étranges en lien avec l'invisible et son amour pour les animaux, plus particulièrement nos amis les chiens. Coucou Nora, coucou Guillaume et coucou à tous les Nuréens. Je souhaite un excellent anniversaire à Nuréa TV. Je vous souhaite de nombreuses années encore à nous faire découvrir des sujets, des thèmes et des intervenants passionnants. Nora et Guillaume m'ont demandé de vous raconter une ou deux petites histoires qui ont pu m'arriver, justement, paranormales ou pas paranormales. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un amour pour les animaux. J'aime vraiment ces animaux. J'aime surtout les chiens. J'ai une passion pour les chiens et les éléphants. Et donc, je vais vous raconter deux petites histoires qui me sont arrivées concernant justement mes chiens.
J'avais un bouvier bernois qui s'appelait Roxane. Nous avions un lien particulier, on était vraiment connectées toutes les deux. Elle lisait dans mes pensées, il suffisait que je sois dans le canapé, sans parler, sans bouger, que je pense simplement, je vais aller me balader. Et on voyait Roxane se lever d'un bond et sauter partout en se disant, ça y est, on va se balader, je suis contente, je suis contente, on sort. Et on avait vraiment cette connexion. Je crois aussi en la réincarnation. Et je sais que j'ai eu des flashs, des infos, où je sais que Roxane a été dans une de mes vies un éléphant. J'étais un enfant et puis mon meilleur ami était un éléphant. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Elle a été également un cheval dans une vie antérieure amérindienne. Donc, ce n'est pas la première fois que j'ai Roxane dans ma vie. Enfin, Roxane dans cette vie, mais voilà, un animal dans une autre de mes vies. Elle est partie en 2010, donc ça a été très très dur pour moi, elle avait 10 ans. Donc j'ai pris rapidement un second chien, c'était un bouvier bernois, Léo. J'espérais retrouver dans Léo ce que j'avais perdu dans Roxane, mais ce n'est pas du tout le cas. Chaque chien a son caractère, est différent, donc il ne faut pas essayer de retrouver dans le chien qu'on a perdu ou l'animal qu'on a perdu, celui qu'on prend à nouveau. Un soir, Léo devait avoir un an à peu près et il tournait autour d'un fauteuil, il fixait un fauteuil en aboyant, il tournait autour, il voyait quelque chose que nous ne voyons pas. Et on s'est vraiment demandé ce qu'il pouvait voir pour avoir peur de ce fauteuil, ne pas oser s'en approcher, tourner autour en aboyant comme ça, on n'a pas compris ce qui se passait. Et on a vu Bounty, c'est notre chat, s'installer face à ce fauteuil, lui aussi fixer ce fauteuil en miaulant, mais avec un miaulement qui ressemblait plus à une discussion qu'à un miaulement demandant quelque chose. Où il ne parlait pas, où il ne regardait pas, où il regardait ce fauteuil. Donc on s'est dit, il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose sur ce fauteuil. Et avec le recul, on en a conclu que c'était certainement Roxane qui était venue nous faire un petit coucou. Et qui était là aussi peut-être pour dire à Léo, calme-toi, parce que Léo était un petit peu hyperactif et il faisait vraiment pas mal de bêtises à cet âge-là. Donc ça s'est calmé après, heureusement. Voilà, c'est... Enfin, je pense que c'est ça, c'est un petit coucou de Roxane. Léo m'a quitté il y a un an, il avait 9 ans et demi. Ça a été à nouveau très dur parce que c'était un chien, un amour de chien autant. Sa jeunesse a été compliquée parce qu'il faisait énormément de bêtises, qu'il était très très actif, il ne tenait pas en place. Mais avec l'âge, il s'est calmé et c'est devenu vraiment un chien adorable. Je crois que c'est le plus gentil chien que j'ai eu, de tous les chiens que j'ai pu avoir d'ailleurs. C'était un amour de chien. Je l'appelais souvent mon cœur sur pattes. Donc ça a été à nouveau très difficile quand je l'ai perdu. Et 2 jours après son décès, j'étais dans la cuisine au petit déjeuner et j'entends un gros grognement. Donc je me pose la question, qu'est-ce que peut être ce grognement, ce bruit que j'identifiais pas tout de suite. Je me dis, un animal a dû rentrer dans la maison et grogne. Mais je ne voyais pas ce que ça pouvait être parce que c'était vraiment un bruit assez fort. Donc je fais le tour de la salle, du séjour, je regarde sous les meubles, sous le canapé, je ne vois rien. Je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai dû rêver ce bruit, c'est pas possible. Et j'entends à nouveau ce même grognement. Et là, je vois Bounty, donc le chat, tourner dans la salle également, chercher d'où pouvait venir ce bruit également. Donc, je me suis dit, bon, ce n'est pas moi qui ai pu inventer ou imaginer ce bruit. C'était vraiment un bruit qui a eu lieu. Et voilà, Bounty était là aussi pour s'en rendre compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc, je me suis dit qu'effectivement ce grognement ressemblait étrangement au ronflement de Léo quand il dormait. Donc je pense que à nouveau c'était mon chien Léo qui était venu me faire un petit coucou pour me dire ne t'inquiète pas, je vais bien. Voilà, et continuer son chemin. Voilà mes petites histoires effectivement concernant mes chiens. J'ai juste une autre petite anecdote à vous raconter que j'aime bien aussi. Je suis passionnée par la culture aussi amérindienne. Donc je faisais partie d'une association pour faire découvrir cette culture en Bretagne. Et avec l'association, on avait organisé un week-end découverte. On avait fait venir 2 Amérindiens,
Michael, qui est Sioux Lakota, et Kevin, qui est Crow, la nation Crow. Et nous avons effectivement pas mal échangé pendant ce week-end, découvert leur culture, c'était vraiment passionnant. Quelques temps après, je suis partie avec ma fille Morgane ainsi qu'une amie aux États-Unis, dans l'Ouest américain. Nous étions dans le Wyoming, à Fort Washakie, et à un powwow de cette tribu. Et donc il y a effectivement des danses, mais il y a aussi d'autres animations, c'est-à-dire que ils font découvrir le travail de perlage. Et à côté de cette petite arène où il y avait le powwow, il y avait aussi on a vu en nous promenant un monsieur qui tenait à la bride un cheval. Et dessus il y avait une petite fille, donc on a été discuter avec lui. Et il nous a demandé bien sûr d'où on venait, on lui a dit de France. Il nous a dit « Ah, ben vous connaissez peut-être mon cousin, il s'appelle Kevin et effectivement il habite en France. » C'était le Kevin qui était venu à notre week-end en Bretagne, donc qu'on connaissait effectivement. J'ai trouvé ça assez exceptionnel effectivement d'aller aux États-Unis, dans l'Ouest américain, dans une réserve qui n'était même pas la réserve de Kevin, hein, puisque c'était... Lui est Crow, et là, c'était une réserve chochoune. Et de tomber sur son cousin qui nous parle de lui. C'est une synchronicité ou un petit clin d'œil très, très sympathique. Voilà mes petites anecdotes. Bon, rien d'exceptionnel et rien de trop paranormal, vraiment. Mais voilà, j'espère qu'elles vous auront plu, en tout cas. Je vous souhaite, en tout cas, une belle soirée à tous et une belle découverte des autres anecdotes, des autres intervenants et modos. Bonne journée, ou bonne soirée, plutôt. Lionel Camille, avec le talent qu'on lui connaît, nous raconte une histoire angoissante dont il a été le protagoniste lors d'un road trip aux États-Unis. L'histoire se déroule en pleine nuit, au cœur d'une forêt nord-américaine. Bonjour les amis, c'est Lionel. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour souhaiter un joyeux anniversaire à Nura TV. Félicitations Nora et Guillaume, 5 ans déjà. Quel beau parcours. Vraiment, je tiens à vous féliciter parce que depuis le début, vous avez vraiment un état d'esprit remarquable, positif, bienveillant. Ça fait du bien sur YouTube. C'est malheureusement pas toujours le cas. Vous êtes exemplaire à ce niveau-là. Ne changez pas surtout, voilà, mais bon, j'ai confiance. Pour l'occasion, Guillaume m'a demandé de raconter une histoire un peu extraordinaire. Donc, comme je l'ai souvent dit, je n'ai jamais vraiment connu d'expérience paranormale. Par contre, j'ai vécu une aventure qui sortait de l'ordinaire aux États-Unis. J'ai déjà raconté cette histoire sur ma chaîne YouTube, mais je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ne la connaissent pas. C'est pour ça que je vais la raconter à nouveau. Je vais être obligé de résumer quand même parce que j'ai que 10 minutes. Donc, cette histoire s'est passée en juin 1999. À l'époque, j'étais parti aux États-Unis avec ma sœur Laurence, pour faire un road trip d'un mois. Donc on est arrivé à Philadelphie, on a pris un bus Greyhound depuis Philadelphie jusqu'à Denver, et à Denver, on a loué une voiture. Là-bas, l'idée, c'était de faire une boucle pour visiter des parcs nationaux, passer par San Francisco et revenir à Denver. Donc on est parti avec la voiture, on avait notre matériel de camping dans le coffre. Le soir, le plus souvent, on s'arrêtait dans des campings. Mais bon, au bout d'un moment, on a vu que l'argent défilait assez vite. Et puis, on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup de temps de monter la tente. Donc, à un moment, on a commencé à dormir dans la voiture le soir. C'est-à-dire qu'on trouvait des coins tranquilles. On allongeait les sièges, on reculait les sièges. Et on dormait comme ça, voilà. C'était un peu rock'n'roll, mais bon, c'était sympa. C'était un peu l'aventure. Souvent, on avait des problèmes. C'est-à-dire qu'on se faisait déloger par moment. On ne pouvait pas dormir n'importe où. Ça nous arrivait plusieurs fois de nous faire déloger par des park rangers en pleine nuit avec la lampe torche. Et je peux vous dire que ça calme, voilà. Donc ce jour-là, on était dans l'Arizona. On venait de visiter une partie du Grand Canyon. On s'était arrêté. On avait vraiment crevé de chaud dans l'Arizona. Vraiment, c'est assez désertique. On avait vraiment souffert de la chaleur. Et pour le soir, on s'est dit, viens, on va essayer de se trouver un coin un peu plus frais. On cherchait un peu de fraîcheur. Donc on a regardé la carte et on a vu que sur la carte, il y avait un petit peu de vert en fait vers le sud. En fait, il y avait la forêt nationale de Kaibab. C'est pour ça qu'on a décidé de partir dans cette forêt. Donc on est arrivé vers 15-16 heures dans la forêt. Donc c'est une forêt immense, c'est une forêt à l'américaine, hein, très très grande. En entrant dans la forêt, on s'est arrêté parce qu'il y a souvent un centre d'accueil pour les touristes, un centre tenu par les park rangers. Donc moi, je suis descendu, je suis allé voir à l'accueil, je suis allé me renseigner.
Là, j'ai rencontré une park ranger en uniforme, voilà. Et je lui ai posé des questions, voilà. Je demandais est-ce qu'on peut faire du camping sauvage dans cette forêt? Et elle me dit que oui. Donc, je dis, ah, c'est génial. Je me suis dit, on allait être tranquille. En plus, là, j'apprends qu'on peut faire du feu. Donc, vraiment, c'était vraiment génial. Donc, voilà. Je récupère ces infos, je retourne dans la voiture et on part avec ma sœur. Donc, on part dans cette forêt, on commence à prendre la route principale. Il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. Il faut dire qu'on était au mois de juin, donc c'était hors vacances scolaires. Et puis, vraiment, c'était une forêt énorme. Donc, on prend la route principale et puis à un moment donné, on commence à prendre une autre route qui part perpendiculairement. Voilà. Une route secondaire. Et on continue comme ça, pendant des kilomètres. On cherchait un coin pour être tranquille, voilà. Et effectivement, on était tranquille. Hein. Il y avait pas grand monde. Je n'ai pas souvenir qu'on ait croisé beaucoup de voitures. Donc on roule dans la forêt pendant un bon moment, hein, sur plusieurs kilomètres. On s'enfonce assez profondément dans les bois. On prend des routes secondaires à la recherche d'un endroit où passer la nuit. À un moment donné, on trouve un coin qui nous semble pas mal. Donc on s'engage avec la voiture dans les sous-bois. On sort même du chemin. Jusqu'à une petite clairière. Il y a une petite clairière là entourée par des arbres. Ça nous semble pas mal pour passer la nuit. On se dit, bah là, on va dormir là. Ça nous semblait assez tranquille. C'était quand même assez isolé, très isolé. Et on n'avait pas vu un chat en arrivant, hein. Il y avait vraiment personne. On avait croisé pratiquement aucune voiture, hein. Donc on commence à s'installer. On commence à sortir les affaires de la voiture. Parce que vous savez que dans les bois, souvent, la nuit tombe très vite. Et nous, lors de ce road trip, on vivait un petit peu avec le soleil. Là, quand vous campez, vous vivez avec le soleil. Donc on s'était préparé assez vite pour passer la nuit. Comme on voulait faire du feu, ma sœur est allée chercher du bois. Bon, voilà, on s'était réparti les tâches. Elle va chercher du bois derrière une rangée d'arbres, un peu plus loin, derrière au fond de la clairière. Voilà, donc je vous la fais courte, hein. Donc là, on passe la soirée, une super soirée. On fait du feu, on mange tranquillement près du feu, on est tranquille, on est relax, c'était vraiment génial. Vers 21h, 21h30, il commençait à faire vraiment noir, et puis on était fatigué parce que voilà, comme on se réveillait tôt le soir, on était assez vite fatigué, et puis il y avait le décalage horaire en plus. Donc on se dit, bah, tiens, on va aller dormir, et là on a eu la flemme de monter la tente, on s'est dit, oh, on va dormir dans la voiture. On avait la flemme de monter la tente, donc on a fait comme on avait déjà fait. On remonte à bord de la voiture, on prend les sacs de couchage. Moi, j'étais sur le siège passager, ma sœur côté conducteur. On commence à basculer les sièges, on écoutait de la musique tranquille, on était relax. J'avais laissé mes chaussures à l'extérieur de la voiture, qui était une Dodge gris métallisé avec des plaques du Colorado. Donc là, on était bien tous les deux. On commençait un petit peu à glisser dans le sommeil, on parlait de moins en moins. Et puis tout à coup, ma sœur me dit, je ne sais pas si tu vas te le dire, mais tout à l'heure, quand je ramassais du bois, j'ai entendu quelque chose. Moi, j'entends ça. Tiens, de quoi tu parles? Elle me dit, bah, quand je ramassais du bois tout à l'heure, j'ai cru entendre quelqu'un. Moi, j'entends ça. Je commence à regarder autour par la vitre de la voiture et là je vois la forêt plongée dans le noir, dans l'obscurité et tout à coup j'ai vraiment une autre vision de la forêt quoi. Je commence un petit peu à flipper, faut dire ce qui est, hein. Je me dis si ça se trouve il y a des gens qui sont en train de nous espionner. C'est vrai qu'en plus personne ne savait qu'on était là, on n'avait croisé personne en arrivant. Je me suis dit, même avec les portières fermées, les vitres relevées, si quelqu'un est là, ils peuvent très bien casser la vitre, nous agresser, on aura beau crier, personne ne va nous entendre, on n'avait pas de téléphone portable, on est quand même aux États-Unis, hein, il y a de la criminalité là-bas, on était dans une voiture de location avec des plaques du Colorado, vous voyez bien qu'on était des touristes. Les gens partent du principe que les touristes ont de l'argent, ce qui est vrai, on a un petit peu de cash, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait du cash, c'est sûr. En plus, aux États-Unis, quand il y a des vols, par moment, ils tuent les témoins, voilà, ils tuent les témoins. Donc là, il y a un gros moment de silence dans la voiture. Et tout d'un coup, je dis, c'était peut-être un tueur en série. En fait, j'avais pas dit ça pour faire flipper ma sœur, hein. J'étais sérieux, hein, parce que
J'avais pensé tout haut. Je m'intéressais beaucoup déjà à l'époque aux affaires criminelles, aux affaires de serial killer. Je savais que le FBI estime environ à 250 tueurs en série en liberté. Voilà, certains d'entre eux opèrent certainement dans les parcs nationaux. Donc voilà, je fais cette réflexion dans la voiture. Et là, je sens que ma sœur commence à flipper. Commence vraiment à flipper. Et il y a encore un grand moment de silence. Et moi, j'étais là, c'est pas possible, je vais pas pouvoir dormir dans ces conditions, quoi. Je vais pas pouvoir. Et tout à coup, tous les deux, on se dit, ah bon, on se casse, voilà. On a la même réaction. On décide de partir. Je sais pas quelle heure il était exactement, il devait être 22h, 22h30, hein. Peut-être plus tard, je sais plus exactement. Il faisait nuit noire. Donc ma sœur relève son siège. Elle était toujours dans son sac de couchage, moi j'étais à côté. Et elle commence à redémarrer le moteur, elle allume les feux, et elle commence à faire une manœuvre pour repartir, pour retourner sur le chemin, parce qu'on était dans les sous-bois en plus, on était vraiment au milieu des arbres, hein, en gros. Hein. Et moi je lui dis, arrête, parce qu'en fait j'avais oublié mes chaussures. Je lui dis, merde, mes chaussures. Je lui dis, on y retourne. Je lui dis, fais une marche arrière. Je flippais, hein. Je me suis dit, j'avais même pas envie de descendre pieds nus dans les bois, sachant qu'en plus il peut y avoir des bestioles, hein, des araignées. On sait qu'il y a des veuves noires dans les forêts américaines. Donc, elle fait une marche arrière. Je récupère mes chaussures et on repart. On repart, donc on s'engage sur le chemin qu'on avait pris pour arriver. Et à ce moment-là, on a croisé une camionnette. Une camionnette qui roulait tout feu éteint. Il y avait un mec à bord. Et on a trouvé ça très bizarre, très bizarre. On a croisé ce gars, on s'est juste croisé en fait, on s'est croisé juste à ce moment-là. On était au milieu de nulle part, on était vraiment très profond dans la forêt, on n'avait pas croisé une seule voiture en arrivant. Et là, juste au moment où on part, on croise ce véhicule qui roulait tout feu éteint, avec un gars à bord. Donc on a trouvé ça très bizarre. Donc on a repris le chemin qu'on avait pris à l'aller, on est retourné près de l'entrée du parc où il y avait le centre d'accueil. Là, il y avait des resorts, il y avait quelques petits hôtels, des parkings, et il y avait d'autres voitures, il y avait du monde, il y avait de l'éclairage public. Et donc là, on s'est garé, on a passé la nuit là, du coup on a dormi là, dans la voiture. Petit épilogue, le lendemain, avant de repartir, je suis retourné au centre d'accueil de la forêt nationale. J'ai revu la park ranger que j'avais vue la veille. Et je lui ai raconté notre aventure. Et je me rappellerai toujours ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai que la nuit dernière était particulièrement noire et que vous avez eu raison de partir. You never know, elle m'a dit. On ne sait jamais. Les Américains aiment bien dire ça. You never know. Et c'est vrai que cette expérience m'a toujours marqué, j'ai jamais oublié en fait. Et c'est aussi pour ça que j'en suis venu à m'intéresser aux disparitions mystérieuses, notamment dans les forêts américaines, parce que je me suis toujours demandé ce qui nous serait arrivé si on était resté. Après, on s'est peut-être fait un film, mais bon, on a écouté notre instinct ce jour-là. Et je pense qu'on a bien fait, je pense qu'il faut toujours écouter sa petite voix intérieure. C'est le genre de conseil que je donne dans mes bouquins et puis dans mes vidéos aussi, je le dis souvent. Faut pas être parano, mais faut être prudent tout le temps. Et faut suivre son instinct. Là, notre instinct nous a dit de partir. On l'a bien fait, je pense. Et voilà. Donc c'était l'histoire que je voulais partager avec vous. Je la raconte un peu plus en détail dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, que je vous invite à découvrir d'ailleurs, Lionel Camille, avec d'autres histoires un petit peu à suspense par moment, mais là c'est vraiment une histoire qui m'est arrivée, qui est totalement vraie et qui explique aussi pourquoi je m'intéresse aux mystères qui se déroulent dans la nature, notamment aux États-Unis, mais ailleurs aussi partout dans le monde. Voilà, donc c'était l'histoire que je voulais vous raconter. J'espère que ça vous a plu et encore une fois, je souhaite un joyeux anniversaire à Nura TV. Bisous à vous, Nora Guillaume. On se retrouvera, voilà, cette année. Et ne changez pas, restez comme vous êtes, parce que je trouve que vous êtes vraiment un couple formidable. Voilà. Et je vous dis ça en toute franchise. Voilà. Merci à vous et à bientôt.
Marguerite Dugrep revient pour nous sur son voyage au Pérou en compagnie de Nora. Elle partage également une histoire en lien avec sa fille en bas âge et le monde de l'invisible. Joyeux anniversaire Nuria TV. Et Nora et Guillaume, hein, puisque de toute façon vous êtes les créateurs de Nuria TV. Donc pour cet anniversaire, j'aimerais vous raconter deux petites choses. La première, c'est faire un petit revival qui est pour moi en fait la plus belle aventure humaine avec Nuria TV, même s'il y en a énormément. Mais celle-ci, je pense qu'elle nous aura marqué, c'est le voyage au Pérou. On a été au cœur d'une histoire, on a pris l'avion, on a dû se décider rapidement, on a dû faire les choses très rapidement. On a réussi à tout organiser en très peu de temps, au final, hein, sur 2-3 jours. Et on l'a fait, on y a été. On a vécu quelque chose d'hallucinant avec en plus une liaison avec Guillaume et Christophe qui étaient restés sur Paris. Donc, du moins sur Paris, pardon, mais en tout cas en France. Donc, du coup, c'était juste impressionnant. On a pu toucher les momies de Nazca. On les a vues en vrai, on les a palpées, on a pu se rendre compte que c'était de la vraie matière, que c'était tout était vrai. On a vécu des émotions ultra fortes. On s'est rendu sur Sacsayhuaman, qui est juste un lieu impressionnant en énergie. On a pu les ressentir, on a pu découvrir que Pérou était un pays passionnant en termes, je dirais pas de paranormal, mais en tout cas en termes de hautes énergies et de légendes mystiques. Voilà, donc c'est un voyage que j'aimerais énormément refaire, je l'avoue. C'est pour vous montrer que ça m'a vraiment émue. J'étais enceinte en plus à ce moment-là et vous avez été d'une bienveillance extraordinaire, donc encore merci pour ça. Et ce voyage au Pérou, c'était, je crois que ça a, pour moi en tout cas, consolidé beaucoup de choses en amitié avec Nora, Guillaume et Nuria TV du coup. Mais honnêtement, bravo quoi, bravo pour votre travail, bravo pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites et tout ce que vous allez faire par la suite. Et la deuxième petite histoire, pour le coup, qui est un peu plus, on va dire, qui rentre un peu plus dans notre domaine aussi. Et là, c'est un peu plus de la vie privée. Comme tout le monde le sait, on a eu une magnifique petite fille. Ça n'a pas été super facile au départ. C'est pas facile de retrouver tout son équilibre et de retrouver... toute la disponibilité qu'il y avait avant. Mais quoi qu'il en soit, on découvre aussi le côté inné, je vais dire, des enfants par rapport à ce qu'on peut appeler le monde de l'invisible. Et il y a quelque chose, un élément qui nous a vachement marqué. Élise était assez petite et elle avait beaucoup de difficultés à s'endormir. Et on était allongés sur le lit avec bébé au milieu. Et à un moment donné... Élise, elle avait déjà la capacité de pouvoir montrer. Et à un moment donné, elle montre quelque chose en face d'elle, mais comme s'il y avait trois tailles différentes. Et on se regarde avec Chris. Et puis elle sourit en même temps. On sent que c'est une interaction quoi, qui est en train de se passer. Une interaction qu'on aurait pu avoir avec elle, puisqu'on sait comment elle réagit à ce moment-là, quand elle réagit avec vraiment quelqu'un en face d'elle. Voilà, et à un moment donné, Christian me dit « Tu crois qu'il y a quelqu'un ?» Et puis moi, je lui dis « Bah, c'est peut-être possible, c'est peut-être ton père. » Et du coup, je dis « Bah, si c'est vous, papy Jean, faites un signe à Élise, et puis elle va nous le refaire. » Voilà. Et là, à ce moment-là, Élise regarde droit devant elle, et d'un seul coup, elle nous regarde et elle nous fait « Coucou !» Mais juste comme ça, avec la main, quoi, vraiment. Et du coup, je dis « C'est ouf, quoi !» Avec Chris, on a les yeux comme ça, on est dit « Attends, c'est... » On est en train de voir si ça se trouve quelque chose, quoi, réellement, quoi. On est en train de le vivre avec elle, quoi. Et à ce moment-là, juste comme ça, je dis, bon, papy Jean, si c'est vous, s'il vous plaît, aidez-nous à l'endormir, parce qu'elle a besoin de s'endormir, et plus elle va pas vouloir s'endormir, et plus elle va être ronchon, donc aidez-nous, s'il vous plaît, quoi. Et là, en une fraction de seconde, je vous jure, c'est vrai, Élise, elle a regardé devant elle, elle nous a regardé, elle a fermé les yeux. Et elle s'est endormie. Alors, honnêtement, je ne sais pas s'il y a eu une interaction. On ne sait rien encore hein, du monde de l'invisible
et des énergies qu'il peut y avoir, et puis surtout des modes de contact réels. On sait encore très peu de choses. Mais quoi qu'il en soit, j'avoue que ça m'a bluffée, et qu'avec, au travers d'un enfant, je découvre les recherches sur l'invisible qui sont un peu différentes, dans le sens où tout ce qu'on pouvait dire, ou un enfant avant l'âge de 8 ans ou de 13 ans, il peut perdre sa médiumnité, et ainsi de suite, parce que le monde fait qu'il il devient formaté. Et ben, je m'aperçois qu'effectivement, chez les enfants, il y a une forme de quelque chose d'inné. Parfois, on va la coucher et Élise, elle dit au revoir comme ça, en regardant au-dessus d'elle ou à côté d'elle. Et je me dis, c'est fou. Voilà, c'est ma deuxième petite anecdote. J'espère que la recherche continuera très longtemps. Et je souhaite encore un excellent joyeux anniversaire à Nuria TV. Parce que c'est juste génial qu'ils fêtent les anniversaires tous les ans. Je trouve ça top ici. Mais d'avoir demandé voilà, ces petits revival, bah, je trouve ça génial. Donc continuez Nora et Guillaume. Et je vous embrasse fort. Et à très 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 bientôt. Très vite. Gros bisous. Ciao. Pascal Bouchet avait 20 ans lorsqu'un rêve particulièrement incroyable l'a profondément marqué. Ce rêve prendra tout son sens des années plus tard, lors d'un séjour initiatique, tiens donc, encore du côté du Pérou. Bonjour, je m'appelle Pascal Bouchet, j'ai 56 ans et je suis enseignant dans des cours de formation sur l'ésotérisme alchimique ainsi que thérapeute. Je voudrais profiter de cet anniversaire de Nuria. Bonjour, Nuria TV, pour parler un petit peu d'une expérience qui m'est arrivée assez extraordinaire dans ma vie, qui d'ailleurs m'a beaucoup influencé dans mon cheminement, dans ma voie. Alors, j'avais à l'époque 20 ans, j'avais 19 ans, et j'ai fait un rêve assez incroyable, que je vais vous raconter d'ailleurs. Et ce rêve se passait dans la jungle. Je marchais et j'étais avec un groupe de personnes, et on était dans un cheminement initiatique, mais on ne se connaissait pas. Nous marchions dans la jungle pendant un long moment. À un moment donné, on s'est retrouvé sur un chemin, plutôt de la taille d'un gros sentier, un peu comme un chemin, une route en terre, si vous voulez, qui longeait une colline comme ça en montant. Et on marchait, on s'élevait comme ça, dans cette forêt tropicale, dans cette jungle, et on montait. Et dans ce groupe, je ne connaissais personne, à part mon grand-père, qui était là, qui était un peu à l'arrière du groupe, qui n'était pas dans le groupe, qui était plus loin derrière, mais qui nous suivait. Puis à un moment, je me suis retrouvé un peu seul, tout en haut, et arrivé en haut de cette montagne, de cette colline, je me suis retrouvé vers le sommet, qui était un rocher rouge, un rocher, disons. J'ai contourné le rocher, et là, d'un seul coup, j'ai vu quelque chose de divin pour moi. C'était une baie immense, mais immense, avec des tailles astronomiques. C'était le coucher du soleil, d'un seul coup, il s'est mis à faire nuit, et cette mer était tellement immense que c'était carrément des galaxies que je voyais se refléter dans cette baie. J'étais tellement époustouflé par la beauté de ce spectacle, quelque chose qui était très très fort, qui m'a vraiment ouvert le cœur devant une telle beauté. Je suis rentré dans la baie, j'ai marché dans l'eau et je suis tombé dans l'eau, presque noyé, et ça m'a réveillé. Et j'ai gardé une telle impression de ce rêve et cette vision paradisiaque et en même temps infinie, immense, d'une immensité incroyable, m'avait vraiment bouleversé. Il y avait quelque chose de... Comment dire ça ? Quelque chose qui était comme une nostalgie en même temps. Voilà. Et puis c'est seulement des années après, c'est-à-dire de 19 ans, je me suis retrouvé en 2011, il s'est passé un truc assez étonnant. À l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. J'avais suivi un stage avec un chaman péruvien qui était venu en France. Et je savais à l'époque, en 2001, que ce chaman organisait tous les 3-4 ans, un séjour de 3 semaines initiatique au Pérou,
parce qu'il était de là-bas. C'était un rêve pour moi en 2001 de pouvoir un jour aller à ce stage, mais bon, il fallait quand même entre l'avion, l'hébergement, tout ça, il fallait minimum à l'époque un peu plus de 4000 euros, somme que je n'avais absolument pas pour moi, c'était faramineux à cette époque. En 2011, 10 ans plus tard, j'étais chez mon père et puis mon grand-père paternel est décédé. C'était juste avant l'été et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une annonce, qu'il y avait le voyage qui était organisé pour le Pérou. C'était mon rêve, mais évidemment je ne pouvais pas y aller. Et suite au décès de mon grand-père, mon père a récupéré ses comptes et il nous a légué à ma sœur et moi chacun 4000 euros, à savoir la somme exacte qu'il y avait besoin pour aller à ce stage. Donc j'ai pu aller effectivement au Pérou. Bon, vous m'aurez dit, j'ai eu des peurs, hein, parce que bon, 4000 euros, j'en avais besoin, j'avais pas de sous. Est-ce que c'était raisonnable de dépenser comme ça sur un coup de cœur Mais ma petite voix intérieure m'a vraiment poussé à y aller, je sentais qu'il fallait y aller. J'ai eu la chance de suivre 3 semaines extraordinaires hein, pendant ce séjour qui a été vraiment initiatique puisqu'il a carrément transformé ma vie. Avec ce chaman extraordinaire, hein, pour ne pas le citer, Gerardo Pizarro. Nous avons passé une semaine intense hein, d'initiation, parfois éprouvante, même avec des plantes et des bains, des choses comme ça. Et puis, après cette semaine-là, nous avons passé une semaine, nous sommes partis dans la jungle, à Iquitos. Nous avons été voir des chamans de la jungle. Puis ensuite, la dernière partie de ce séjour se déroulait la dernière semaine. Nous sommes allés à Cusco pour finir avec le bouquet final qui était la visite du Machu Picchu. Quand nous sommes arrivés, alors le Machu Picchu, ce sont des ruines, mais quand même bien conservées, hein, d'une ville, Inca, perchée au sommet d'une montagne, mais verticale, hein, c'est complètement fou. Et une ville complète avec des structures incroyables. On se demande comment ils ont pu bâtir dans un tel lieu, hein, parce que c'est entouré de falaises hein, vertigineuses, cette extraordinaire ville. Et pendant la montée, alors ce séjour, hein, je tiens à le préciser, de 3 semaines avait été très éprouvant. Hein. Ça a été vraiment un séjour initiatique, et comme tout séjour initiatique, c'est toujours très éprouvant. Et lorsqu'on a commencé à prendre le bus, j'étais content, je ne sais pas pourquoi, et on a commencé à monter dans le bus. Le bus a commencé à prendre une route en terre, comme ça, qui montait comme ça, en colimaçon, tout au long de la colline. Et là, d'un seul coup, je regarde par là, j'étais près de la fenêtre du bus, je regarde, et je reconnais le chemin que j'avais rêvé, qui m'avait emmené en haut de la montagne, vous savez, avec la baie et les galaxies qui s'y reflétaient. Mais vraiment, j'ai reconnu. Et là, je me suis mis à pleurer. Et j'ai compris enfin quel était ce groupe de gens que je ne connaissais pas, mystérieux, parce qu'il est vrai que dans ce stage, beaucoup de personnes se connaissaient, il y avait des groupes dans les groupes. Bon, alors on s'est connus pendant le stage, hein, évidemment, pendant la formation, on a eu beaucoup d'amitié. Mais j'ai compris d'un seul coup, en montant vers le Machu Picchu, j'ai reconnu exactement cette jungle que j'avais rêvée. J'ai compris alors que ce stage serait une très grande initiation pour moi et allait appliquer de nouveaux horizons, une nouvelle ouverture. Très étonnamment, il y avait une chose qui m'avait beaucoup travaillé dans ce rêve que j'avais fait, que dire, c'était presque 30 ans avant, quoi. Dans ce rêve que j'avais fait, j'avais une question qui me tarabustait, c'était que dans mon rêve qui était hautement initiatique, qui était spirituel, qui débouchait sur une vision mystique de l'univers, et je me demandais ce que faisait mon grand-père derrière le groupe, à la traîne, et pourquoi il était là, alors que mon grand-père ne s'est jamais intéressé au domaine spirituel, n'était pas un grand voyageur, et de surcroît, ne s'intéressait pas spécialement du tout, même au Pérou, quoi. C'est en racontant après l'histoire à mon chaman que d'un seul coup, j'ai compris que mon grand-père qui était dans mon rêve, qui nous suivait dans mon rêve, eh bien c'était grâce à lui que j'étais venu au stage. C'était grâce à son héritage, il venait de décéder, et donc c'est grâce à son héritage que j'avais pu faire ce chemin, ce cheminement initiatique. Donc vous voyez, pour moi ça a été quelque chose d'extraordinaire, ça peut paraître pas si extraordinaire que ça, mais quand vous avez plus de 25 ans, voire 30 ans, qui séparent un rêve d'un événement qui va se passer,
Et surtout, cette vision de ce chemin qui montait, c'était exactement ça. Je n'ai pas vu, évidemment, de galaxies dans le ciel, ni de baies extraordinaires. Par contre, ma vie a pris un tournant radical à partir de ce moment-là. Ma vie a complètement changé, basculé, et j'ai eu une ouverture, hein, c'était ça la baie, sur un avenir radieux, hein, qui est le mien maintenant. Et je voudrais en profiter d'ailleurs hein, pour dire que c'est extraordinaire et je voudrais remercier mon papy. Hein. Merci papy, grâce à toi j'ai pu réaliser mon rêve. Voilà, c'était ma petite histoire qui est quand même assez incroyable. Alors cela veut dire aussi qu'il ne faut pas se décourager quand on a un rêve, quand on a une prémonition, qu'il arrive quelque chose, si ça n'arrive pas tout de suite. Ne vous découragez pas, vous vous rendez compte 30 ans après. Et les choses se sont vraiment réalisées exactement comme dans le rêve. Jusqu'au grand-père qui suivait derrière le groupe. Jusqu'au chemin qui était exactement le même chemin. Et je m'en suis rappelé 30 ans après, parce que je peux vous dire que ça m'a saisi. Voilà. Bien, bon anniversaire Nuria. Au revoir tout le monde. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et nous terminons en compagnie de Julie de la team Spirit Experience. Elle nous parle de l'utilisation de l'hypnose dans le cadre de ses enquêtes et des résultats surprenants obtenus grâce à ce nouveau protocole. Avis aux âmes sensibles, la vidéo qui va suivre risque d'être légèrement perturbante. Alors, voyons. Hypnose. Transcommunication hypnotique. C'est peut-être dans ce bouquin que je vais trouver des réponses. Bon, avant de commencer à potasser ce bouquin, il faudrait peut-être que je vous explique ce qui nous a conduit à nous intéresser à la transcommunication hypnotique. Alors oui, j'ai dit nous. En fait, on est un groupe d'enquêteurs en paranormal, et depuis quelque temps, on avait décidé d'intégrer l'hypnose à nos enquêtes. C'est en 2019 que Nico a suivi une formation d'hypnose et que nous avons décidé d'utiliser cette technique sur Anto dans nos enquêtes. Nous avions cru comprendre par le passé qu'il pouvait jouer le rôle d'une sorte de canal lors de nos séances de Ouija. Il nous semblait alors intéressant d'intégrer cette méthode lors de nos investigations afin de permettre à Anthony d'élargir ses perceptions tout en refoulant ses angoisses et ses peurs. Le lieu était en effet anxiogène, un ancien hôpital psychiatrique. Si cette mise sous hypnose a clairement démontré son efficacité pour annihiler les craintes d'Anto, qui a pu effectuer un tournus en solo dans ces longs couloirs angoissants sans quasiment aucune appréhension, elle n'a pas été concluante quant à l'aspect spirit que nous espérions. Pas vraiment une réussite donc, mais pas un échec non plus. Et s'il y a vraiment une chose que nous avons retenue de nos périples, c'est que la persévérance paie toujours. Nous avons donc continué à essayer, persuadé que ce protocole pouvait nous permettre de nous ouvrir au monde de l'invisible. Nous avons cherché encore, couplant l'état de transe avec d'autres protocoles comme le cercle spirit ou la communication via la planche de Ouija. Jusqu'à ce qu'au détour d'un dialogue, on nous mette sur une piste. C'est pas bon. Ok, alors. Est-ce que ma méthode pour essayer certaines choses avec l'hypnose via Anthony est bonne? Voilà, ok, on y arrive. Je pense que ça y est, je commence à comprendre. Donc tu envoies? J'envoie. Anthony? Oui. Oui. Au mauvais. Au mauvais. Ah, au d'accord. Mauvais espace-temps. D'accord. Ok.
Est-ce que vous avez peut-être des mots à me donner pour que je puisse l'envoyer dans le bon espace-temps par moi-même. Okay. Approfondi par toi-même. D'accord, ok. On était complètement perdus. Alors qu'est-ce qui était le plus incroyable? Que la théorie des cordes soit évoquée au cours d'une séance de Ouija, ou que des indices concernant le protocole de mise sous hypnose d'Anto nous soient délivrés? Il fallait insister. C'est ce qu'on a fait. Hypnose, Ouija, baguette, changer les inductions hypnotiques, guéridon, hypnose, rien n'y faisait. Nous enchaînions les enquêtes, arpentions des lieux magnifiques, collectionnions des informations et des résultats surprenants. Oh la vache ! Mais aucun progrès avec l'hypnose. Jusqu'à hier soir. Personnellement, ça me... Bon. Au bout du concept, s'il vous plaît. On peut poursuivre ? Non, on n'était clairement pas prêt à vivre un truc aussi intense et je dois avouer que franchement, on a tous été hyper bousculés par ce qui s'est passé. Et pourtant, on était prévenus. Cette séance se déroule quelques semaines auparavant et nous avions cru comprendre le message. Pour nous, tout était clair. Il s'agissait d'une mise en garde au sujet de l'intrusion, cette nuit-là, d'un groupe de visiteurs assez nombreux et complètement inattendus. Cependant, l'emploi du pluriel « n'ayez pas peur » suivi du singulier « sois fort » n'avait finalement pas de sens dans ce contexte. Le message trouve un éclairage bien particulier après ce que nous avons vécu. Mais il y a encore une chose que je vous ai pas dite. Le protocole de mise sous transcommunication hypnotique d'Anto nous a été communiqué lors d'un contact via la planche de Ouija. Nous n'avions pas beaucoup avancé dans nos essais de mise sous hypnose d'Anto et étions encore en train de chercher à améliorer le protocole lorsque des informations cruciales nous ont finalement été communiquées lors de la séance de Ouija menée au tout début de notre enquête. Nous avons appliqué les instructions qui nous ont été délivrées sans vraiment y croire. La surprise de cette réussite n'en fut que plus grande. Mais ce n'est pas la première fois qu'un protocole est communiqué par le biais d'une méthode spirit. Joël Hury, le créateur de l'Institut français de recherche et d'expérimentation spirit, utilise l'écriture automatique depuis 1991 dans le cadre des projets menés par son association. Les messages dont il bénéficie par le biais de cette technique spirit lui ont permis de mettre au point, puis de considérablement améliorer, ce qu'il nomme la cellule de contact. C'est en utilisant le pendule que Christian Cambois s'est, quant à lui, vu délivrer de véritables formules mathématiques et informations complexes traitant de la physique des ondes, alors qu'il reconnaît lui-même sa méconnaissance du domaine alambiqué des mathématiques et de la physique. Après des recherches poussées et des analyses effectuées notamment par deux physiciens chercheurs de haut niveau, ces formules se sont révélées exactes. Reste à savoir comment exploiter ces données. Et voilà où nous en sommes. Mais j'ai comme l'impression que tout ça c'est que le début de ce nouveau protocole et qu'on n'a pas fini d'arpenter les longs couloirs et les superbes bâtisses qui s'offrent à nous. Mais peut-être que cette intuition est prémonitoire. En attendant, je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à Nuria et les remercier de nous permettre d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.
À très vite. Chut, doucement, 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 doucement. Calme-toi. Comment ça, ça va pas ça, tu... N'oubliez pas que toutes les énergies négatives ne peuvent absolument pas vous atteindre à partir de maintenant. Pourquoi je serais négatif? Parce que là, il y a un comportement qui est négatif. Il y a quelqu'un qui peut venir avec moi? J'arrive pas à te suivre. Ah, je sais pas où il est parti. Non, la porte est fermée. Oh putain. Je sais pas où il est, c'est pas possible. Je veux pas, j'ai pas assez de lumière, je... Voilà les amis, j'espère que cette dernière vidéo ne vous a pas trop perturbé et qu'elle ne sera pas source de cauchemar pour vous. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie sur Nura TV et en compagnie de nos nombreux invités que je tiens à remercier très chaleureusement. Je vous dis rendez-vous demain soir pour une nouvelle émission, témoignage extraordinaire spécial intervenant. D'ici là, passez une bonne fin de soirée, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt, ciao.